sportive ou sédentaire? Ah, sportive. Là, j'étais... Alors, ton sport, c'est quoi? Là, je fais du tennis. J'en fais 3 à 4 fois par semaine. Là, d'ailleurs, jeudi, j'ai fait un cours le matin. J'ai joué avec une amie l'après-midi. Voilà, je... Tu suis l'actu des sportifs et tout au tennis hein? Bah, comme il n'y a pas de télé, oui. Ça rend ceci... Oh, bah, radio, tu dis, moi, tu sais... Oui, bah, bof. Voilà. Non, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Et le sport, c'est bon pour le moral. Ouais, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, ouais. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Alors, énergique ou nonchalante? Énergique ou nonchalante? Alors, Public, glamour et sexy. Ah, t'es les trois? Ouais, ça dépend des moments. Les femmes des trois. Ouais, ça dépend. Sur scène, je peux être très glamour. Avec dans l'intimité, je peux être très sexy. Et je peux être aussi très pudique, voilà, avec des gens que je rencontre. Enfin, ça dépend, c'est vraiment pareil. Alors, très sincère ou diplomate? Très sincère et diplomate. C'est vrai, hein, j'ai du mal à mentir, ça se voit quand je mens. Je préfère ne rien dire plutôt que de mentir, voilà. Et diplomate, oui, j'essaye de... Pas à mes dépens, quoi. J'ai appris à ne pas essayer d'arrondir les angles si ça peut me faire du mal. Voilà. Alors attention, jazz caribéen ou jazz... Amérique. C'est terrible. Ah non, les deux. C'est terrible, il faut choisir. Moi, alors, non, parce que pour moi, je suis un peu contre la ségrégation de « il faut écouter ce jazz-là et pas l'autre ». Moi, je viens d'une culture où il y a beaucoup d'influence. Moi, des fois, je me fais des soirées Kassa, Patrick Saint-Éloi. C'est très bien. J'écoute du jazz, j'écoute de tout. Voilà. Bien je ne vais pas m'arrêter, me dire « non, c'est que ça ». Personnalité vivante à honorer, ça serait qui pour toi une personnalité vivante que tu aimerais honorer avant la morte? Ah ben, j'ai honoré la dernière fois Rav Tamar dans une émission. J'aimerais bien lui faire honneur, oui, parce qu'il est c'est un très très grand musicien. Et ouais. Voilà, personnalité disparue, honorée. Je faisais découvrir là, il n'y a pas longtemps à un ami en Australie, je lui faisais découvrir Cesaria Evora. Grande. Alors tu es plutôt amour, amitié ou tu considères que l'amour et l'amitié peuvent se coexister sans problème? Bah, il n'y a rien de mieux que d'être amoureuse de son ami et d'être amie avec son amoureux. Waouh, c'est ça qui permet de... bien répondu ça. Ah, je sens que la tête est bien faite. Bon, dis-moi, plutôt jeu de société ou jeu de hasard? Oh, jeu de société. Moi, je suis pas trop fan de... Enfin, jeu de hasard, s'il n'y a pas d'argent dedans, éventuellement, mais le côté ouais, argent, moi, je suis pas trop... Mer ou montagne? J'aime bien varier. Je me souviens, je suis partie en tournée la dernière fois, pendant près de 10 jours, on était en montagne. J'étais bien contente de revoir la mer, à la fin. Parce que, voilà, il faut pouvoir varier. Hein. Mais j'aime la montagne pour le ski, et puis la mer, voilà, pour la plage. Bon, on va finir avec juste une petite question toute simple. Voilà. Si tu devais choisir maintenant de partir dans une destination qui te ferait plaisir, ça serait où tu n'es jamais allé. Où je suis. Où tu n'es jamais allé. Le Brésil. Le Brésil. Donc le Brésil. Eh ben dis donc, Brésil. Ça va être là pour l'année prochaine. Voilà. Samba. Bon. Eh ben écoute, on va t'écouter avec ravissement dans Qu'est-ce à lever de Jocelyne Berroir. Tu vas l'accompagner, nous montrer comment tes talents vocaux vont nous faire du bien. Juste avant de conclure l'émission, surtout restez là, c'est le meilleur pour la fin. Glamour et sexy. Ah, t'es les trois? Ouais, ça dépend des moments. Les femmes des trois. Ouais, ça dépend. Sur scène, je peux être très glamour. Avec dans l'intimité, je peux être très sexy. Et je peux être aussi très pudique, voilà, avec des gens que je rencontre. Enfin, ça dépend, c'est vraiment pareil. Alors, très sincère ou diplomate? Très sincère et diplomate. C'est vrai, hein, j'ai du mal à mentir, ça se voit quand je mens. Je préfère ne rien dire plutôt que de mentir, voilà. Et diplomate, oui, j'essaye de... Pas à mes dépens, quoi. J'ai appris à ne pas essayer d'arrondir les angles si ça peut me faire du mal. Voilà. Alors attention, jazz caribéen ou jazz... Amérique.
il faut écouter ce jazz-là et pas l'autre. Moi, je viens d'une culture où il y a beaucoup d'influence. Moi, des fois, je me fais des soirées Kassab, Patek Saint-Éloi. C'est très bien. J'écoute du jazz, j'écoute de tout. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter et me dire non, c'est que ça. Personnalité vivante à honorer, ça serait qui pour toi une personnalité vivante que tu aimerais honorer avant la morte? J'ai honoré la dernière fois Rav Tamar dans une émission. J'aimerais bien lui faire honneur, oui, parce qu'il c'est un très très grand musicien. Et... Voilà, personnalité disparue, honorée. Je faisais découvrir là, il n'y a pas longtemps à un ami en Australie, je lui faisais découvrir Césaria Évora. Ça touche. Très grande. Alors, tu es plutôt amour, amitié, ou tu considères que l'amour et l'amitié peuvent se coexister sans problème? Il n'y a rien de mieux que d'être amoureuse de son ami et d'être amie avec son amoureux. Waouh, c'est ça qui permet c'est de... bien répondu, ça. Je sens que la tête est bien faite. Bon, dis-moi, plutôt jeu de société ou jeu de hasard? Oh, jeu de société. Moi, je suis pas trop fan de... Enfin, jeu de hasard, s'il n'y a pas d'argent dedans, éventuellement, mais le côté argent, moi, je suis pas trop... Mer ou montagne? J'aime bien varier. Je me souviens, je suis partie en tournée la dernière fois, pendant près de 10 jours, on était en montagne. J'étais bien contente de revoir la mer à la fin. Parce que, voilà, il faut pouvoir varier. Hein. Mais j'aime la montagne pour le ski, et puis la mer, voilà, pour la plage. Bon, on va finir avec juste une petite question toute simple. Voilà. Si tu devais choisir maintenant de partir dans une destination qui te ferait plaisir, ça serait où? Où tu n'es jamais allé? Où je suis? Où tu n'es jamais allé? Le Brésil. Donc le Brésil, eh ben dis donc, Brésil. Ça va être là pour l'année prochaine. Voilà. Samba. Bon. Eh ben écoute, on va t'écouter avec ravissement dans Qu'est-ce à lever de Jocelyne Berroir. Tu vas l'accompagner, nous montrer comment tes talents vocaux